She caught my eye as she was walking by. Cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her. But I didn't know what to say, so I just whistled at her. Yo les amis, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous voyez où je suis là actuellement. Nouvelle carrière, on est parti. Ma série en carrière va pouvoir commencer. Et justement, donc c'est une carrière de manager bien sûr. Et donc vous allez tout de suite voir qui je vais prendre comme équipe. Là vous avez un peu le suspense, j'ai pas laissé d'indice. Il y a plein de gens qui m'ont parlé d'équipes différentes. Mais je n'ai dit qu'elle n'était pas bonne. Et donc l'équipe que j'ai choisie, c'est une équipe anglaise. Ce n'est pas Arsenal, ce n'est pas Aston Villa, ce n'est pas Burnley, ce n'est pas Chelsea, ce n'est pas Crystal Palace, ce n'est pas Everton, ce n'est pas Hull, ce n'est pas Leicester, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas City, ce n'est pas United, ce n'est pas Newcastle, c'est eux. C'est les Queen's Park Rangers que j'ai décidé de prendre dans mon équipe. Donc on est parti les amis, on va aller faire donc on va se mettre en indulgent. Ou en strict. On va se mettre en modéré, allez. On va se mettre en modéré parce qu'on n'a pas de compétition européenne, on veut pas la. On veut pas de actuel. Enfin, on va mettre des matchs de 5 minutes en pro parce que je suis pas très très bon face aux adversaires comme ça. Donc on va télécharger les mises à jour. Donc j'espère qu'il n'y aura pas Rémi par exemple, parce que Rémi comme il est à Chelsea War. Donc moi je vais récupérer parce que récupérer ils ont un effectif qui me plaît et que j'avais envie de faire une. Pas prendre une grosse équipe et ni prendre une petite équipe, histoire de. Que ce qui est un peu d'un. Qui est un peu de trucs sympathiques. Donc je vais mettre Alex. Je vais mettre un truc à la con, je vais mettre mon prénom Alex, en tout cas son prénom. Et en nom de famille, je vais prendre Zo. Non pas Zo, allez. Je vais prendre Alex. Comme je mets sur NBA 2K14, Alex Jackson. Pourquoi je mets ça sur NBA? Je ne sais pas, c'est mon nom de joueur sur NBA. On va regarder ça. Hein. Alex Jackson. Je suis. Ouais, on va dire que je suis anglais. On va se mettre en costume. Hein. Costume gris parce que c'est ma couleur. Je suis carnation noire. Je sais pas ce que ça veut. Je sais pas ce que c'est la carnation, je n'ai jamais compris. Et je suis normal. Voilà. On est parti donc. QPR, Jackson devrait arriver. À la suite d'un surprenant retournement de situation, Jackson a été présenté comme le nouveau visage du club. Bien qu'on ignore le nom des autres candidats approchés, le président a affirmé il est déterminé et nous sommes convaincus que son leadership va nous amener les résultats que nous recherchons. Nous avons eu des entretiens avec d'autres entraîneurs, mais au final, Jackson a paru comme le meilleur choix pour nos clubs et nos joueurs et nos supporters. Et donc, l'arrivée de Julio César à Benfica, donc c'est sûr qu'on perd un gros gardien, mais je pense qu'on a moyen de se rattraper. En plus, on a de très bons joueurs comme Tarap, on a Vargas, nous avons Onioa, on a vraiment des très bons joueurs et c'est ça qui m'a donné envie d'y aller avec QPR. J'ai vraiment beaucoup hésité aussi avec l'AS Rome ou des trucs comme ça, mais bon voilà, QPR me semblait être le meilleur choix. Et donc voilà, on va tout de suite enregistrer la sauvegarde. Donc c'est vraiment une carrière que je vais essayer de faire assez souvent. Quand je dis assez souvent, c'est essayer de faire un épisode par semaine au mieux. Je vais essayer, ça va être compliqué de tous les week-ends pour faire de la carrière. Mais je vais essayer, c'est un petit mode de jeu qui aura pas beaucoup de temps, les épisodes dureront un max de 15 minutes, donc voilà. Donc, ma carrière n'a pas beaucoup changé hein, au niveau des équipes peut-être, non, c'est préparé, tout est préparé, donc c'est cool. On va juste aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Donc, le CA aimerait qu'on attende les 8e de finale de la Coupe Nationale. On me laisse le choix pour les transferts, là c'est mon entraîneur dirigeant qui nous dit que nous devrions chercher un défenseur central. On va aller voir le rapport du recruteur. Donc là on nous propose donc des joueurs qui peuvent être pas mal. Et justement voilà, je pensais à lui au Corée qui me semble pas mal. Donc je lui demandais qu'on aille regarder sur Corée pour mon défense centrale bien sûr. Donc Jax William par région, tu peux ici envoyer un routeur par joueur, ok. Et donc voilà, donc écoutez, donc je compte sur vous aussi pour me dire quel joueur je devrais recruter pour que ce soit à peu près réaliste hein. Je veux pas que vous me disiez recrute Ronaldo. Bon, je dois pas avoir le budget, je sais pas comment j'ai le budget de transfert, je vais aller voir ça tout de suite. J'ai 10 millions. Bon ça va, 10 millions c'est plutôt pas mal, c'est peut-être juste aller voir les joueurs qu'ils proposent. Donc Okoré, oui. Écoutez, lui ne m'intéresse pas, 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 lui ne m'intéresse pas non plus. Donc Okoré, on va attendre 9 jours avant de pouvoir le jouer. On va tout de suite aller voir aussi mon effectif. Donc mon effectif, où est-ce que ça peut être? Transfert. Vendre joueur. J'aime bien commencer par ça. Je mets toujours le prix le plus cher pour voir. Donc Tarap je garde. Sandro je garde, Varga je garde, Isla je garde, Fer je garde. Crunchcard, ça me pose un petit problème de le garder parce qu'il est vraiment vieux et je le vois pas trop intégrer mon équipe. Crunchcard, on va le mettre à vendre.
C'est pas un joueur qui va m'intéresser, donc voilà. Colker, je garde. Forlan, je garde. McCarthy, je vais garder. Onuwa, Willett, Green, je garde. Barton, je garde. Traoré, je garde. Diakité, il est parti en prêt, mais je garde. Enfin, je vais garder, enfin, j'ai pas le choix. Phillips, que je vais garder. Match. Ça peut être pas mal. Fazenin, Serio. De toute façon, je vais garder, il me sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Vendre Zamora. Zamora qui est parti, genre, je vais vendre parce que ça m'intéresse plus trop de le garder. Je compte de toute façon. Enfin, j'ai pas eu le temps de le mettre. Hashtag transfert, voilà. Dune, très vieux, qui m'a pas intéressé avec son 22 vitesses, ça m'intéresse vraiment pas. Je vends Henry. Henry qui était un joueur aussi assez, tous les joueurs un peu vieux, je vais vendre. Hein. Mon but c'est vraiment d'avoir une équipe assez jeune. Par exemple, Yunsun, donc là je vais garder. Robinson qui est parti en prêt, donc je vais garder. Murphy, trop vieux pour moi, malheureusement. Je sais que c'est un jeu, un gardien assez emblématique, je crois, de QPR, mais voilà, vous nous demandez. Il se retire à la fin, et voilà, il est quand même vieux. 27 de vitesse, on n'a pas le droit, à 31 de vitesse, on n'a pas le droit. Sutherland, qui est... et les petits jeunes, justement, les petits jeunes comme ça, qui vont pas forcément servir énormément, je vais tout de suite les mettre en prêt. Justement, ils gagnent en... Ouais, de toute façon, je crois qu'on ça, c'est un quasiment. Donc, hop, Harryman. Pareil, je vais vendre... Enfin, je vends pas, je mets à prêter. Emer, je vais garder parce que ça peut toujours faire un truc assez sympathique. Ensuite, Doukti, je connais pas, mais je vais mettre sur les deux. Prêt pour la saison. Gibson, c'est pareil, ils ont beaucoup de joueurs à récupérer quand même. Prêt pour la saison. Pourquoi c'était pas trop intéressant pour vous. Voilà, il en reste que quelques-uns. Soit ils étaient prêts pour la saison. C'est pas des joueurs à 56, ça m'intéresse pas. Je mets en prêt. Et Donaldson, en prêt. Voilà! Donc là mon effectif est à peu près fait, donc bon écoutez, j'ai quand même pas mal de joueurs que je vais garder. Je vais regarder combien j'ai de joueurs dans mon effectif, je fais toujours ça. C'est... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 joueurs. On a 19 joueurs pour l'instant. Bon. On va faire du recrutement, vous inquiétez pas. Hein. On va dégraisser un peu, donc là je vais continuer, je vais un peu avancer. Je vais faire un match, je vais simuler quelques matchs. Et puis après je vais me débrouiller comme je peux. Donc écoutez, moi ce que je pense qu'il va être intéressant à recruter, c'est des milieux gauche, tout ça. Donc la profession de transfert pour Bobby Zamora, 750 il m'en propose. Il vaut 1100, est-ce que c'est... Ouais, on va le vendre, de toute façon ça va nous libérer un peu de masse de transfert. Enfin de budget, de salaire plutôt. Voilà, donc on va tout de suite aussi aller voir notre transfert. On va quand même commencer à programmer des transferts. Donc là, il y a qui est intéressant. Ryan Letson, qui m'a l'air monstrueusement bien, mais bon, ça m'intéresse pas trop de former des petits joueurs comme ça pour l'instant. Naktanake, qui est quand même un très bon joueur, mais ça m'intéresse pas non plus, trop ici. Anan Jemza, j'aimerais bien, mais il partira pas. Pour l'instant, ouais, je regarde un peu les joueurs que je connais aussi. Pour l'instant, il y a rien qui m'intéresse. Je vais quand même aller chercher, donc je vais quand même demander à mon recruteur. Voilà, instruction de recrutement. D'accord, donc là il y a déjà des trucs déjà dit. Un des centrales dignes de l'équipe, un tout poste et un pro. Bon écoutez, on va garder ça, on va quand même rajouter un truc. Donc on va déjà chercher un gardien qui est moins de 25 ans. 24 ans, pour que ce soit quelqu'un quand même d'assez bon. Et puis un gardien quand même digne de l'équipe. Hein. Voilà. On va chercher aussi des postes plutôt à gauche. C'est-à-dire on va chercher des ailiers. Des ailiers plutôt techniques, parce que j'aime bien quand même des dribbleurs qui sont quand même rapides, voilà, avec pareil une tranche d'âge entre 16 et 26 ans, on va mettre, donc d'avoir des joueurs trop vieux. Et ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de récupérer des arrières qui sont plutôt de centreurs précis et assez rapides quand même, hein, parce que je veux des mecs qui savent centrer. Et là je vais pas mettre de restriction d'âge, voilà. Donc là on a quand même fait préparer nos points de recrutement. Donc là on a moyen de faire des bonnes choses. Donc là on va attendre un petit peu et on va regarder un peu ce que nous propose. Tout ce qu'il nous propose. Donc Shai Austin, 7 millions. Et écoutez, il vaut cher quand même ce joueur. Et là c'est quand même 9 à 7 millions pour un joueur qui vaut 4 200 000. Je pense que c'est quand même une bonne truc. Ah non c'est Austin, ah ouais non c'est mort. Je garde lui. Je rejette toutes les offres pour Charlie Austin, je garde Austin pour l'instant. Je veux vraiment le faire monter un petit peu lui. Et ça va trouver Sirigu arriver à la Juve, juste c'est pas mal. Donc le transfert pour Joey Barton, ça ne m'intéresse pas pour l'instant.
je veux regarder Joey hein, qui est intéressant. Et Crunchcar. Vraiment, Crunchcar, je vais faire une contre-proposition à 5 millions pour Crunchcar. Histoire de récupérer un peu d'argent quand même. Je pense qu'ils vont monter quand même aux 5 millions s'ils le veulent. Rapport final de Okoré. Donc Okoré, ça m'intéresse vraiment beaucoup de l'avoir. Qui a vraiment des stats monstrueuses. Vous avez vu un peu ces stats là. 4 ans à cette vitesse, un truc incroyable. On va approcher Aston Villa pour un prêt, pour un achat plutôt. Et on va débourser carrément 9 millions pour ce joueur. Bon, peut-être pas 90 millions. Mais bien 9 millions. Non, ou alors on va faire 7 millions. Et on va lui donner un autre défense. On va lui donner un joueur, on va lui donner Richard Dune. On va voir ce qu'il va me demander. De toute façon, il sera indiscutable au niveau de mon équipe à côté de Onuwa. Donc là voilà, par contre là c'est quelque chose qui m'intéresse, il y a Vlad Chiriches aussi qui pourrait être pas mal. Donc là voilà, là ça commence à me chanter à des bons joueurs. Donc Ryan Segan ne m'intéresse pas, Solly March ne m'intéresse pas, Foster Castell ne m'intéresse pas, Cleaverley vient d'arriver à son club, ça m'intéresse pas, Scannell ne m'intéresse pas, Kieran Trippier, écoutez, il ne m'intéresse pas plus que ça j'ai l'impression. Trippier ça pourrait être pas mal, je vais quand même demander à observer. Wolchechny, ça je vais dire, Wolchechny. Je n'en ai que de l'interroge, donc Stéphane Irlande trop vieux. Jay Rodriguez, c'est pareil, c'est un joueur que j'aime bien, donc je vais demander une observation. Downing est trop vieux, Oshi trop vieux. Okoré, je garde, Lachiche, je garde pas. Winston Red, ça ne m'intéresse pas, Skirt, ça ne m'intéresse pas. On dit une observation sur Eric Lamela. Nasri, ça ne m'intéresse pas non plus, Tolston non plus. Voilà, bon, voilà, on a quelques joueurs que j'aime pas mal, donc poste de sélectionnaire, donc. Ouais. On a vendu un joueur, on a vendu Bobby Zamora. Voilà. Donc excusez-moi si je commente un peu vite, mais en fait je ne connais pas trop, je sais pas comment faut faire. Je suis un peu perturbé en fait de faire ça. J'ai pas l'habitude de faire ça simplement. Pas du mode carrière, c'est un peu bizarre. Donc Trippier, est-ce qu'il coûte cher ou pas? Trippier, il est cher ou pas? Écoutez, Kieran Trippier, on va quand même approcher Burnley pour un prêt. Voilà, juste un prêt, 10%, un prêt assez long et une offre de. Il vaut combien? On va mettre 3 millions, pas 30 putain, 3 millions pour une option d'achat, voilà, je pense que ça peut être accepté. On a des propositions de transfert, donc pour Karl Henry, écoutez 800 000, oui allez on va dire que c'est bon, je vends Karl Henry, mon but c'est vraiment de quand même dégraisser un peu l'effectif, avoir quelque chose de pas mal, et donc Stuttgart s'aligner pour les 5 millions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça nous permet de récupérer un peu d'argent. Et donc Carambri est parti et Aston Villa a accepté le transfert pour Okoré. Donc là maintenant ça va être niveau salaire qu'il va falloir parler, donc on va poser ouais, 35 000 avec un prix d'invincibilité à 5%. On va quand même partir pour 4 ans avec lui et un titulaire indiscutable, c'est sûr, ce sera aux côtés de Onuwa, il n'y a pas à chier. On va voir s'il va accéder, sinon je le mettrai en titulaire important, même s'il sera quasiment indiscutable au final. Prêt avec option d'achat, donc Kieran Trippier, regret, ils ont rejeté. Ok, donc on va partir sur un prêt toujours, 10%. Et là on va quand même imposer un petit peu plus, on va poser un prêt avec 5%. 5 millions pour Trippier et un prime à 10%. On verra ce que ça va donner hein. Et donc le Crunchcar est parti, donc ça fait plaisir. Et Oscar a signé Atletico. Donaldson, voilà, c'est un prêt, on le laisse partir, hein, défense centrale. C'est le genre de joueur qui peut partir, que je peux laisser partir, ça ne me dérange pas forcément. Et Okoré a accepté le contrat, donc c'est cool. Donc premier joueur qu'on recrute, c'est Jaurès Okoré, donc ça fait vraiment plaisir de recruter. Donc on va bientôt s'arrêter de toute façon. Hein. J'ai encore un peu passé, puis après on va s'arrêter. Ça commence à faire déjà un quart d'heure. Bon, c'est vraiment le début, donc je sais que ça ne va pas forcément être très intéressant sur vous. Écoutez, alors, voilà, donc là, il y a les rapports comment c'est complet. Wallish Nation, il vaut combien? 10 millions. C'est trop cher pour moi. Lamela, on va approcher Lamela pour un prêt. Je pense pas qu'il soit accepté, on va être 20% toute la saison. On va mettre une offre de transfert à 11 millions pour le prix d'achat immédiat, on verra bien ce que ça va donner. Non mais là c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresserait d'avoir dans mon équipe. Rodriguez, c'est pareil, c'est 3 millions pour Rodriguez, est-ce que j'aurai assez? Oui j'aurai assez.
Après on va essayer de recruter Rodriguez et après on arrêtera. On va poser 4 millions pour Rodriguez. Plus. Oui, plus on va poser 6 millions avec quelqu'un quand même équivalent. Gibson, tiens. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Pour le reste, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Tout ça, ça m'intéresse pas forcément. Ok, mon tripier c'est mort. Ah, mon Traoré. Traoré, tu vas jouer de toute façon, mais tu joueras défenseur gauche, toi. Donc, tu vas pas me faire chier. Ferdinand qui m'a rien. Mais... je me pose beaucoup de questions quant à savoir si je suis de la dernière saison. Ça devient dur pour moi. Ok, ouais, mais de toute façon, Rio, tu vas jouer un petit peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bon, ouais, on va poser 7 millions alors. Jay. Ok, voilà, mais là c'est mort de toute façon. Écoutez, bon. Ouais, on va simuler le match et puis après on va arrêter. Hein. Je vais juste voir si je vais réussir à avoir ou pas. Jordan Gibson. Mais tu vas partir, bon. On va simuler le match de l'event et puis après le match on va arrêter la vidéo, les amis. Donc au niveau de l'équipe, voilà, on lâche l'équipe type pour l'instant. On verra bien par la suite après ce que ça peut donner. Du coup, on va se prendre la tête. 3-0, voilà, ça fait plaisir. Doublé de Barton et un but de Sandro, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Donc là, évidemment, mon joueur va me dire qu'il est triste. J'ai pour répondre à moi pour. Ça va, j'ai proposé beaucoup plus donc. Ah voilà, ils ont accepté pour Jair Rodriguez. On va poser 5. Allez, vas-y. J'ai de l'argent, on va lui prendre un contrat de 50 000 pour 4 ans. En tant que titulaire important, on va pas trop se prendre la tête, on va juste proposer une bonne 20% de prime de but. Après, c'est vraiment un des joueurs qui va me coûter le plus cher, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc on va juste attendre de voir si Rodriguez rejoint le club, et s'il rejoint, on va arrêter la vidéo, et si, même s'il rejoint pas de toute façon. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour jouer contre Guingamp. Allez, Brian Murphy, tu dégages, tu m'intéresses pas. Alors, est-ce que... oh putain, ils vont encore me demander de... bon bah écoutez, on va s'arrêter ici, justement, on va laisser suspense. Est-ce que Rodriguez va venir dans le club? Vous saurez ça au prochain épisode. Et est-ce qu'on va battre Guingamp? Vous saurez ça aussi au prochain épisode, les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que ce premier épisode de carrière vous a plu. Même si c'était un petit peu long, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao les gars, je vous fais plein de bisous. Et j'espère que on va emmener très loin l'équipe de QPR. Allez, ciao les gars.